Choose your character! Oh, bonjour à toutes et à tous, bonsoir, aujourd'hui on se retrouve sur Destroy Humans, l'épisode numéro 12, me semble-t-il. Dans le dernier épisode, on avait escorté un camion avec une putain de bombe nucléaire que j'ai un petit peu ragé, mais moins que la première fois que j'ai joué au jeu. Et on a du coup dû protéger la bombe le temps qu'elle s'activait pour éviter que des humains la désamorcent. On a réussi, on s'est barré. Elle a explosé pour essayer de tuer Army Quist, là, le général. Mais malheureusement, il s'était barré avant. Il s'est fait sonner les clémentines. C'est une expression que je viens d'inventer, mais ça fait marrer. Sonner les cloches. Moi, je dis, il s'est fait sonner les clémentines. Voilà. Il s'est fait sonner les clémentines par sa hiérarchie, là, le personnage avec le masque de Psychomantis. Et du coup, en petite cinématique, on a vu que Crypto le suivait discrètement, entre guillemets, avec sa soucoupe, il suivait l'hélicoptère de Army Quist. Alors c'est parti, on va changer un petit peu de skin. Et du coup, on va peut-être prendre le skin dégueulasse, que je trouve dégueulasse, mais qui est un peu marrant, de Mutant. Vous avez compris, Mutant. Alors on va le prendre, j'ai jamais pris parce que je le trouve complètement dégueulasse. Mais bon, c'est parti, c'est pour se marrer, après tout, nous sommes là pour nous amuser. Et c'est parti pour la suite de Destroy Humans. Oh, c'est magnifique petit skin quand même, on le voit bien dans la soucoupe avec ses cornes de vache. Un merveilleux Armageddon. Je suis sûr qu'il y a possibilité de trouver un meilleur titre que ça, mais pour le moment j'ai rien. J'ai rien du tout. En tout cas, l'image est pas folle en plus, ouais. D'habitude, ils font des images assez rigolotes, assez, quelquefois bien, pas tout le temps, mais quelquefois ils sont pas mal. Et là, c'est bof, hein, c'est... Hein. Et là, ils peuvent pas avoir des idées tout le temps. Déjà qu'ils en ont pas beaucoup. Ça parle mal. Allez, c'est parti pour la suite. I need data on the structural integrity of the local architecture. I'm activating our latest F-800 drones to scan these hegemonic edifices. Bon d'accord, j'avoue que ce skin est quand même très très drôle. Oh bah tiens, direct devant moi. Bah, attends, c'est une demoiselle. Magnifique demoiselle. Hasta la vista, Crypto. Hop là, hasta la vista, Crypto, mais c'est assez large, je sais. Et hop, on prend ça. Est-ce que je peux aller à l'intérieur? Ah, c'est pas du tout modélisé. Ah si, il y a un petit truc de bowling, mais sinon il n'y a pas grand chose de modélisé. Est-ce qu'on peut voir la culotte de la dame? C'est pour les vues sur YouTube, s'il vous plaît. Bon, ok, d'accord. Hop là, attends, oula. On va écouter le skin. Monsieur, oui, il y a un clochard. Monsieur, vous voulez voir ma culotte? Allez hop, c'est gratos. Profitez-en, monsieur. Ça sera pas tous les jours. D'accord, au secours, encore le muret qu'on peut pas sauter. Non, ça... Ah, voilà, plan culotte. Ça, c'est bien, ça me fait référencer au Japon. Comme ça, je suis plus référencé au Japon dès que je mets une culotte. Ah, ils sont contents, ils crient Panzo! Oh, je voudrais mettre Panzo en titre, c'est bon. Culotte. Du coup, faut aller par là. Pardon, excusez-moi, j'étais pas du tout en train de regarder dans la direction où j'allais. Pas de drone à récupérer, je regarde vite fait, mais bon. J'aime bien le tenue de cette demoiselle par contre. Bon, par contre, la robe est. Oh putain, la jupe est tellement courte que. Regardez, on voit sa culotte alors que je fais rien, je cours, c'est tout. Mais bon, voilà. Bon bah voilà, si vous avez des petites amies, premièrement vous avez de la chance, profitez-en. Et bah demandez-lui un petit cosplay de cette demoiselle, dans cette robe de cette demoiselle. Si ça vous tente, hein, si ça vous intéresse. Moi j'avoue que ça m'intéresserait. J'avoue, après je lui demande de m'épouser, peut me demander tout après, faire la vaisselle, faire le ménage, je fais tout. Oui il m'en faut peu hein, pour... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis un gros bouffe, hein. Détruisez une tourelle d'artillerie. Ah d'accord. Bon bah écoute, on a plus besoin des... Est-ce que je peux me tromper? Non, je peux pas me utiliser. Ah c'est bon. Comme il m'avait vu, le vieux. Bon allez, on va prendre un vieux parce qu'il y a des gens que ça excite, les vieux, quand même. Ça a fonctionné? Ça a pas fonctionné du tout. Ah, ça a retiré un petit peu de vie. Bon moi c'est pas... Ah mais merde, c'est pas ça que j'ai vidé. Mais. Bon, c'est un truc bonus, mais bon, comme c'est juste à côté. Ah merde, faut protéger la sonde. Putain, j'ai oublié la sonde. Moi, j'étais pas du tout dedans. Mais monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi le cerveau. Oh, mademoiselle aussi.
Mais c'est bon, laissez mon drone tranquille. Bon, une fois que j'ai un drone avec moi et que j'ai pas envie de le détruire. Bon, ça va, il est pas. Il a une bonne tête, j'ai envie de dire. Ah, un Majestic, tiens, ça tombe bien. Enlevez votre chapeau quand vous voyez. Voilà. 10 secondes, oui, bah il est en train de scanner les immeubles, d'accord, ok. Il scanne les immeubles, il fait des graffitis. Merde, c'est la voiture qui est en train de viser. On détruit ça. C'est bon? D'accord. Les cerveaux qui explosent. Tout ce que je ramasse là, mon gros. So I do get to blow them up, right? Let's not go on. Il y a un petit cerveau là-bas. Merde, vise-le lui. Mais non, d'accord, lui il a bugué. Hein. Oh, jolie petite épicerie quand même. Rendez-vous à l'emplacement marqué. Bon, allez, on va aller au rendez-vous pendant qu'il y a un mutant qui est en train d'attaquer la ville. Par contre, à chaque fois, j'avoue qu'en la ville, j'arrive pas à repérer les petits. Les petites sondes. C'est fou. Pourtant, ça va être compliqué à voir s'il y a une sonde qui est là ou pas. Bon, c'est pas grave, on descend. Voilà, je suis ici. Il va scanner ça maintenant. Il est où mon. Ah, il est là. D'accord, putain. Téléportation. Pourquoi moi je peux pas me téléporter? Pourquoi il y a que lui qui peut se téléporter? C'est dégueulasse. Ah bah, oh là, monsieur, vous avez spawn derrière mon dos. Moi j'aime bien les petits cerveaux. La meilleure arme du jeu c'est quand même détruire les cerveaux. Attends, ça arrive de ce côté là. De ce côté, non, c'est ce côté là. Monsieur, on va vous mettre au courant. Il faut pas faire chier mon petit drone. Oh, yo, il a fait yo. Mais allez, mais pourquoi tu peux pas lui prendre son cerveau? Ouais, et je peux pas lui prendre. D'accord. Je peux prendre son cerveau. Ah si, ça y est, ça a fait. Oh d'accord, le gros bug. Ouais, je peux plus. D'accord, il y a un gros bug avec. Oh, il y a un gros bug là. Je pouvais plus utiliser les trucs de cerveau, il faisait en décalage après. Mais arrêtez d'attaquer. Et ça, je lui ai même pas donné de nom, mais bon, je vais l'appeler Jean-Louis. Arrêtez d'attaquer Jean-Louis. 10 secondes restantes. Attendez, il y a quelqu'un qui essaye de. Ah là. Détruiseur un lanceur. Merde, je détruise un lanceur. Bon bah, j'ai pas eu le temps de faire la mission bonus. Faut aller détruire un lanceur. J'ai pas eu le temps de détruire un lanceur. Ah, il faut que je monte à la bord de la soucoupe, ok. Alors attends, est-ce que. Voilà, je ramasse les cerveaux en même temps. Oh putain, regardez ce massacre sur la grande place. Bon, j'aurais dû détruire ça comme un con et je l'ai pas fait. On va le faire tout de suite. Bon bah, attends, non, il était déjà détruit. Bon bah, de toute façon, voilà, il était déjà détruit, je pouvais rien faire. Bon, ok, bon, on monte dans la soucoupe. Ah, mais il y a des cerveaux là, j'ai pas vu. Oh putain, ce magasin, c'est quoi? C'est une banque. Ah, c'est une banque, ouais. D'accord, elle est un peu petit quand même, un peu exigu comme passage. Oh, il y a un cerveau là. Oh, il y a deux cerveaux là. Oh, mais il y a des gens ici. Bonjour. Ça va bien? Oh putain. Ouais, les cerveaux qui volent. Yes. Allez hop. On va chercher maintenant. On va prendre la soucoupe. Hop là. Devant le bowling en plus, c'est parfait. On m'a tiré dessus avant que je rentre. Oh, c'est dégueulasse, monsieur. C'est pas fair play. Ah bah oui, ça va ramener les tanks et tout. En même temps, t'as vu le bordel que j'ai foutu, ils ont mis un temps hein, pour ramener les tanks. Ça va chier, ça. Mais ça, c'est ce que ça veut dire en gros. Mais bon, ça va, j'ai mis mon bouclier de soucoupe est pas mal. Alors, ANTC, ça va détruire des structures de défense militaire. Ah, alors on va commencer par détruire des défenses militaires. Et on a gagné une nouvelle arme, regardez ça. Regardez-moi ce truc. Wow. Est-ce qu'il y a des... Ah oui, il y a un petit cerveau que j'ai volé. Est-ce que je peux voler des cerveaux par là? Non, il n'y a pas de cerveau à voler. Par contre, il y a 0%. Il faut que je prenne un petit peu de munitions. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Voilà, donnez-moi vos cerveaux. Attends, est-ce que je voudrais trouver des... C'est bon.
défense militaire. Ah, ça c'est un truc militaire. Allez, toi, donne-moi des munitions. Toi, donne-moi ton cerveau. Voilà, ça c'est fait. Par contre, j'arrive pas à détruire des structures de défense militaire. Oula, par contre, on va reprendre un peu de bouclier. Et ici, attends, je sais qu'il y a un truc militaire ici. Ah bah voilà, ici là. Ça compte pas ça? Non, ça compte pas, pardon. Ça, ça compte. Putain, ça un peu. Oula! Oula, j'ai esquivé ça. Ah, ça c'est bon, c'est des petits trucs qui. Désactiver. Comment je peux. Ils me disent de désactiver ça alors que je suis dans ma foucoute, d'accord. Oh, oh, oh tiens le phare, on l'avait détruit dans les épisodes, on va recommencer, tiens, il le reconstruit. On recommence. Voilà, on prend les cerveaux. Oula. Attends, on détruit ça aussi. Mais attends, il y a un truc. Oula. Ah il est là le truc, j'avais pas vu. Par contre c'est chiant de trouver des trucs militaires. Bon, on va les faire de toute façon. Le bonus, on s'en fout. Il est un peu chiant à faire en plus, je vous avouerai. Voilà. On va changer. Voilà. On va changer d'arme. Ça, c'est détruit. Ça, c'est détruit aussi. On change encore d'arme. On va prendre un peu de bouclier quand même. Voilà. Ah j'ai, putain j'ai pas assez de pourcentage pour le détruire. J'ai déjà détruit celui-là. Destruction c'est rigolo. Détruire les trucs c'est rigolo. Par contre il faut que je trouve tous les trucs militaires, ça va être chiant. Moi je détruis les gens parce qu'ils ont des belles piscines et je suis jeune. Oula. Lui je l'ai vu. Ah, il m'en reste plus que 3 à trouver d'essayer des trucs à détruire ces trucs et c'est bon. De munitions, de munitions. Ah, j'ai eu un petit cerveau. Je suis sûr qu'il y a un truc de missile par là, non? Oh, un donut! Un donut bien grillé! Et l'église? Bon, l'église, on touche pas, ça se fait pas quand même. Touche pas, je t'ai vu. Il m'en reste plus que deux à trouver, mais j'ai pas envie de les chercher en fait. Je suis un peu feignant sur le coup. Bon, allez, hop, toi, donne-moi des munitions. C'est qui me tire dessus là? C'est ceux. Oh mais il y a un robot en dessous, c'est lui qui me tire dessus. Il va crever, oui. Il est crevé ou pas? Oui, il est crevé. On va prendre les munitions. Putain, j'ai tué. Ah voilà, merci. On va détruire le dîner là. Il est détruit. On entend les cris. Ah attends, je cherche. Il m'en faut encore deux à détruire et c'est bon. Stade de baseball est très joli. Attends, on me tire dessus. Il y a le truc qui me tire dessus. Ah, il est là. C'est bon, je l'ai détruit. Il m'en manque encore un. Je sais, c'est chiant. Mais je veux absolument le trouver, le dernier. J'ai, en plus, j'ai presque fini de détruire la ville. Il est où? Ah, on m'envoie un missile, du coup il va être dans mon. Il est là! Merde, j'ai mis une bouclier trop. Ah voilà! Mon petit bonus est fait, j'ai pu aller détruire quelques bâtiments. Oh là où il avait la piscine la dernière fois, rappelez-vous dans un certain épisode. Oh oui, j'ai eu le temps de prendre un petit cerveau. Là! Oui, le cerveau il arrive! Oh, j'ai eu le cerveau! Oh, le cerveau qui est venu au ralenti vers ma soucoupe, c'était magnifique. Ah, et moi, j'ai mon. Et un bonus que j'ai oublié de faire. Terreur communiste! Une soucoupe rouge dévaste le centre commercial de Sanda Vedesta. Alors là, faut vraiment être con quand, pour lire ce journal et se dire c'est pas un extraterrestre là, parce que je pense que c'est vu à vue de nez, je pense que là c'est un ovni. Hein. Et plus qu'un ovni, c'est vraiment une soucoupe volante. Mais bon, après tout, hein, c'est un peu flou. Ça se voit pas très très bien. Y a pas, c'est pas comme ça, il y avait 20 000 témoins. Ah voilà, alors le truc de crypto que je voulais acheter la dernière fois que j'ai pas pu dans l'épisode, épisode, est-ce que je vais pouvoir me l'acheter? C'était permet de faire éviter des lancers de lentement des véhicules et d'autres objets massifs. Voilà.
Ah, enfin, je peux me l'acheter. On va peut-être augmenter le truc de la soucoupe, du coup. Alors, attendez. La nouvelle arme là, qui était super puissante, ça, parce que ça, c'est bien. Augmente la taille de l'explosion ou augmente la capacité des destructeurs quantiques. La capacité. Et on va augmenter aussi, voilà. Comme ça, ça fait plus de dégâts. Eh ben, on continue pour la suite, c'est magnifique avec le mutant. Oula, magnifique image. C'est parti pour la suite, ça fait que 15 minutes. Ça va peut-être durer plus longtemps parce que je suis un con. Mais c'est pas grave avec ce, regardez-moi ce skin magnifique de mutant qu'on peut pas prendre du tout au sérieux. On l'a pas beaucoup vu, on était beaucoup dans la soucoupe, alors... Furon abattu. Alors par contre, l'image est très bien. Bon, c'est une référence à... Ah, James Bond, hein, voilà, le truc, le laser qui coupe en deux, attaché, mais moi j'aime bien, elle est bien l'image. Furon abattu, par contre, le titre, toujours pas fou. Toujours pas fou leur titre des fois quand même, hein. C'est fou, des fois ils ont des petits brins d'intelligence, hein, comme ça, des petits brins de, comment dire, je sais pas trouver mon mot, mais voilà, c'est, voilà. Ah, nouvelle carte. Nouvelle map. Oh putain, on peut pas prendre du tout au sérieux maintenant, c'est fou. Curse you, pathetic humans. De toute façon, on pourra le pardonner Crypto 137. Cette fois-ci, c'est à cause d'un truc électrique, c'est pas à cause d'une fusée qui s'est mise au-dessus de la fusée. Mais il a survécu quand même. Enfin, je pense, sinon c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de ce let's play. Mind woozy, vision blurred, bladder bursting. Faut que j'aille aux toilettes. Get to a lavatory. Oh, my aching cranium. Crypto, you moron. First step is admit you've got a problem. Please, please, tell me I'm alone. Oh, thank you, great frontal lobes. But where in space am I? Looks like some kind of primitive laboratory, a cage, and humans are being held against my will, and not in the fun way. Ah, ils ont bien mis son costume en même temps. I feel so dirty. Okay, that's it. I'm getting out of here now. Ou le lui, il aurait pas dû se pencher là parce que le docteur Prontologue Crypto est là. Alors, quitter l'hangar et enfiler un déguisement d'humain. Bon, on prend lui. Voilà, ça c'est fait déjà. Et du coup, bah, j'ai juste à exploser ça. Je pirate ça. Ils sont un peu cons quand même. Hein. Ils ont oublié qu'il avait des trucs psychokinésiques. Mais c'est magnifique en tout cas cette. C'est ce truc. Alors. Enfiler un déguisement du... Ah, faut que j'en enfile plusieurs, d'accord. Alors, qui me voit encore? Alors, attends, est-ce que lui, maintenant, il m'a vu? On va le faire oublier. Et lui, on va le faire oublier aussi. Voilà. C'est bon, c'est sorti d'ici. On va prendre un autre déguisement maintenant. De ce monsieur. Oh, avec une moustache! C'est Mario! Regardez-moi, c'est Mario dans la vraie vie! Oh, il faut trouver maintenant un tuyau. Il faut rentrer dedans. N'y voyez aucune allusion, évidemment. Hop, on m'a vu, je crois. Ah, y'a quelqu'un qui m'a vu. Oh merde, il m'a vu! Oh, je me suis fait voir, merde. C'est pas le moment! Moi j'ai eu tous les dirigeants. Bon bah c'est pas grave, hein. Voilà. Je voulais être discret, je voulais être gentil. M'en fous, je ramasse ça. Oh, pendant que je suis en train de tuer tout le monde, voilà. Ah, tout le monde a peur et tout, c'est pas discret. Et toi t'es censé de faire une infiltration. Bon, la première fois que je l'ai fait, j'ai fait une infiltration, mais là. Little green man! Not again! Colorblind moron! C'est vrai qu'ils ont pas avec les couleurs. Surtout que là, je suis une mutant. Je suis un peu une vache, putain. Hey, where's the... What did you do with my clip, monkey boy? Phew! So much for wholesale carnage. I guess I'll just have to settle for ripping your limbs off one by one with my bare hands until I find it. Comment tu fais pas plus peur quand même, ça, quand même. Bare hands.
courageux cet homme. D'accord. C'était. Oui. Beau cri. Ah, des beaux cerveaux là maintenant. Ouais, c'est bien, attends, je suis tranquille. Oh merde. Oh merde. Maintenant, Majesty, il me court après quand même. Merde. 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 Et merde. Vite, allez. Allez, allez, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Putain. Ouh là là. Ouh là là. Mais non, mais je veux lire l'esprit de quelqu'un. Voilà, c'est bon. C'est bon, ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est bon, ils ont rien vu. Pardon, excusez-moi, je vous pousse un petit peu. Hein. Et du coup, faut aller où par. Ok, alors d'accord. Faut maintenant aller de par là. Et il y en a un autre endroit ici. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, faut que je scanne lui. Good. This information will help lead us to your ship. Scan more workers. Ah, et il y a un mec là-haut. Ah ouais, d'accord. Couldn't be commies in Union Town. Or could they? Attends, il faudrait que je trouve un moyen. Est-ce que je peux utiliser mon jetpack? Ah putain, il faudrait que je trouve un endroit calme. Putain. Ici. Putain, mais je peux pas, j'ai pas mon. Ah, mais j'ai pas mon jetpack, je peux pas. Aïe. Oh bah, c'est. Ouais, cette distance, c'est bon. Je prends un autre déguisement, allez hop, c'est bon. Oh, Majestic, parfait, comme ça j'ai un joli chapeau, c'est magnifique. I detect the presence of a Furon jetpack nearby. Ah. You will need it in your search. Par là. I really ought to get up to Jersey and see Uncle Tony this weekend. On se calme, monsieur. The hell's in all those army crates coming over from Monroe Island? Ain't nothing there but that old abandoned fort. Or is there? Et il est là. Your ship went down on a nearby island. Excellent. Keep scanning work. Maintenant, je peux maintenant aller en haut là. D'accord, ok. Maintenant, il faut que je trouve un endroit où je serai à l'abri des regards indiscrets pour enfiler mon jetpack. Alors, attendez, peut-être ici, il y a peut-être personne de ce côté-là. Il y a des gens de ce côté-là. Ouais, là, si je me mets là, que je me. Bon, on s'en bat les steaks. C'est bon, on a pas vu ni vu ni connu, je suis en brouille, hein. C'est bon, il a vu vite fait une espèce de vache mutante. Mais il a pas fait trop le lien. Hop là, on se dirige tout doucement vers ce monsieur qui se trouve à très très haut. Très très haut là-haut. Est-ce que je peux le scanner d'ici? Non. Peu là. Il l'a même pas vu, D'accord, le mot de code, le mot de passe c'est Marine. On va prendre l'exemple de Marine. C'est un trou de D'accord, ok, alors d'abord, Holopox, désolé, mais il y a un putain de. Voilà, une sonde ici. Oui, je l'ai eu. Oh putain, oh putain. On remonte, vite, remonte. On remonte, oula. Et du coup, faut aller par là, ok. Ça va, pour l'instant, je suis pas trop repéré, comparé au début. Hop. Hop, on va prendre encore le costume de ce Tom Majestic. Et hop là, c'est bon. J'ai un joli costume noir et un chapeau. Je peux passer, ni vu, ni connu. Il faut que je fasse. Ah, d'accord, il faut que je me déguise en lui. D'accord, ok. Ah, en lui, en le. D'accord, n'importe qui. Voilà, c'est bon, j'ai pris lui, c'est bon, je peux passer. Interagir. D'accord. I ain't taking you nowhere without proper authorization. Bon, j'étais en Majestic quand même, ça aurait pas passé en vrai. Un Majestic sont supérieurs. Alan Turner, Jane Roussel menaçait le conducteur Marilyn. Marilyn, will you take me to the island now? Oh putain, comment il a fait ça? Now you're talking. Welcome aboard, soldier. Je sais pas vraiment, ça sert vraiment à quelque chose parce que je pense que si j'aurais pris de la mauvaise réponse,
Bah, peut-être que si, ça m'aurait fait repérer. Du coup, t'aurais dû recommencer, reprendre un déguisement et redemander le code. Je sais pas. Et ça n'a pas vraiment grand intérêt. Il pourrait le faire automatiquement. C'est pour savoir si tu suis en fait. Le jeu il veut savoir si tu suis. Bah, si t'es anglais, c'est bien parce que tu peux écouter en même temps. Mais quand t'es français, faut que tu lises. Les sous-titres et tout ça. Du coup, c'est chiant si tu suis pas en lisant. Ce que je fais pas, parce que j'ai joué au jeu, je vous laisse juste dire. The brass always bust my chops, jackasses. Oui, il y a un lance-missile là où je l'ai vu. Oui, il y a un robot. Oui, il y a une machine qui va me tirer mon. Ouh, il y a des putains de. Oh, il y a. Ah oui, il y a ça là. Je vais le faire exploser parce qu'ils vont me faire chier. Voilà. Bon, ils sont un petit peu alertés, mais c'est pas grave. I don't know. I just don't feel like I'm being all I can be. The humans are moving your ship. You must find a way to release it. Je sais ce que je vais faire. Oh bah tiens. Je vais passer par derrière. Parce que j'aime bien passer par derrière, vous le savez. Et attends, lui on peut faire venir jusqu'à nous. Allez, viens avec moi. Il y a personne aux alentours. Il vient ou pas? Oui, il vient. Hop, on le fait oublier. Et on prend son déguisement. Oh, plus il a des jolies petites manches. Oh là là, ouh, c'est un black. C'est... Oh, j'ai pris Will Smith, c'est magnifique. C'est bon. Men in Black, Will Smith, c'est bon. Oh, c'est bon, je suis bien là. Oh là là, je suis bien, je bouge plus. Oula, oula, oh, ah oui, non, mais je bouge plus, oui, je voulais pas à ce point-là. Merci, le jeu. Oh putain. Hop là, la là. J'ai fait tout le tour hein, pour essayer d'éviter tous les trucs qui peuvent me repérer, hein, comme vous pouvez le voir. Et voilà, la soucoupe, j'y suis. Implanter un ordre, ok. C'est bon, j'y suis passé, j'ai fait tout le tour, j'ai tout contourné. D'accord, et il tombe dans les pommes juste après, ok. Oh, oh. Elle est jolie la soucoupe. Envole-toi, petit être libre! Ah non, c'est vrai. Est-ce que je prends son cerveau dans tout le monde ici? Non, ça va. Monter à bord la soucoupe? Oh, mais j'ai envie de voler des cerveaux moi avant. Oh là. Il était gratos lui. Bon bah on va monter dans la soucoupe alors. Voilà. Something's wrong with this ship. I can't take off. Ah bah merde, j'aurais peut-être pas dû changer de déguisement alors. J'aurais pas donné mon déguisement. I've detected the radiation signature of the energy cells coming from a human marine transport vessel near your location. Bon. Ah merde. Oh putain. Oups. Oula, oula, oula. Mais attends, il faut que j'aille où? Là-bas. Ah oui, bah d'accord, bah je suis obligé de garder. Oui, là, il y a un moment, bah moi je suis obligé de garder. Ste. Hop là. Ce. Faut pas que je prenne des déguisements. On va pas faire ça. Et hop là. Voilà, ni vu ni connu. Et je ramasse en même temps. Voilà! On recommence pareil par là-bas! Bah voilà! Bah ça c'est magnifique, oula! Ah, il y a quelqu'un qui a vu en bas, ici. D'accord, alors lui il a entendu loin quand même. Mais non, mais bougez pas les gens! Nettoyez. Ah, noyer des agents! Ah, faut que je noie des agents! Ça c'est marrant, ça je peux le faire, ça c'est rigolo. Hop là, on noie des gens parce que on va faire Titanic. Ah merde, c'était pas lui que je voulais noyer. J'ai noyé un bidon d'explosif, ça marche ou pas? Merde. Ah merde. Je disais un truc pour que je puisse utiliser mes pouvoirs pendant un moment. Oula, attends. Hop là. C'est bon, il en reste encore combien là-dedans? Excusez-moi. Monsieur, excusez-moi. Je prends votre cerveau. Voilà, vous ne m'échapperez pas, messieurs. Hein. Ouais, attends, merde, c'est pas où je veux. Merde, ça a pas marché. Ah,
Voilà, il y en a d'autres, ça c'est bien. C'est bon, ça y est, j'ai fait. J'ai réussi. C'est bon, personne ne veut faire chier. Oh, il y a un cerveau là-haut. Putain, comment il est arrivé jusque là sans mourir le mec? Oula, oula, oula. Attends, attends, y a, je suis sûr il y a un petit, une petite sonde ici, non? Ah, je savais bien. Je me disais aussi, je l'avais déjà récupéré un ici. Oula, oula. Ah, je l'ai touché. Bon, d'accord. Ok, le jeu est gentil. Le jeu est gentil. En vrai, j'étais pas vraiment dessus. Bon. Hop là. J'ai vidé le bateau, c'est bon. Cette musique stressante qui est pas du tout stressante parce qu'il y avait vraiment rien stressé, j'ai tué tout le monde. Ah non, mais alors eux, ils ont repris leur boulot tranquillement, quoi. Oh, ça me fait chier, ça me fait chier. Il y a un cerveau là. Oh, si je pouvais l'attraper. Et oh. Attends, est-ce qu'il y en a qui s'est échappé là? Ah, merci. J'ai fait doublement exploser son cerveau. C'est bon? C'est bon. Ah, mais non, mais. Eh oh, mais vous venez à limiter quoi? En plus, ils ont pris. Ils ont volé de mes armes, vous avez vu? Oh, je l'ai eu! Est-ce que je peux retourner en arrière vite? Vite, vite, vite. Ah non, ça va être chaud, Snake! Oh putain, t'as fait des conneries là! Ouh, ça va, heureusement que j'ai mon petit bouclier. Je me noie pas, c'est bon. Ouh, j'ai réussi! Youhou. Personne ici, c'est bon. Oh bah ça va, je suis pas trop mal débrouillé, j'ai pas trop fait de la merde. J'ai tout bien pris. Alors, récupérer, il y en a encore par là. Est-ce que du coup, il faudrait que je prenne un déguisement? Est-ce que je peux prendre un déguisement de ce monsieur là-haut? Voilà, comme ça, ça va être plus tranquille, parce que si je fout le bordel, ils vont me tirer dessus, tatati. Alors par contre, toi, tu me fais chier et te faire exploser. Voilà. Et attends, là sont les trucs, ils sont par là. My mind says Einstein, but my body says Newton. Well, hello, boys. D'accord. Il est amoureux de Newton ou c'est moi, le monsieur? J'ai vu vite fait ce qui se passait. I'm so lonely. Hop là, je descends. Oui, il y a un mec de Majesty. C'était pas une bonne idée ça. Oula, oula, ça va être chaud. Oh merde. Oh putain, merde! Et voilà. Je vais voler son déguisement. C'est bon, ça marche. Oh, oh comment c'est passé? Alors c'était. Oh putain, ça a marché, ça a marché. Ça a marché alors que le robot il est en train d'essayer de me tirer dessus. Ils ont pas compris les gens. Ouh là, ils sont cons. Stella! Stella! D'accord. Ok, il y a un mec qui est en train de crier Stella, Stella. Oula. Alors attends, est-ce qu'il doit encore mettre de la Majestic, c'est ça? Non, c'est bon, il s'est barré. You've done it, Crypto. You've collected the energy cells required for liftoff. Return to your ship immediately. Ils sont tous gratos. Let's get it on. Merde, on a vu. You want a piece of this? Alors lui, il... Mais il lui s'en fout, mais... Non, mais il vise lui. Alors le mec de Majestic, il en est foutu de ce qui s'est passé. Mais non, mais c'est pas ça. Oh putain, merde, allez on y va. Je voulais juste les cerveaux. Allez, on va la soucoupe maintenant. Je passe par là. Bonjour monsieur. Ah, monsieur est mal au crâne apparemment. Heureusement que je lui donne un petit doliprane. Allez, salut tout le monde. On va prendre le cerveau. Voilà, ça va être plus. Oula. Attends, ça va. On va faire chier. C'est bon, les génétriques. Attends, il y en a un autre là-bas. Attends. Change d'arme. Là, le robot. Là, ça va le calmer un petit peu. Monsieur, s'il vous plaît, votre cerveau. Voilà. Ah là, c'est beaucoup mieux là. Et c'est bon.
pas un petit cerveau à récupérer, non. Bon, bah voilà, c'est bon, après j'ai fait le ménage. Enfiler un déguisement d'humain plusieurs fois, ils auraient dû mettre, en fait, enfiler plusieurs déguisements d'humain, ils auraient dû mettre, et noyer les agents magnétiques. Voilà, tout est fait. Un incendie ravage une île. Les autorités nient toute implication dans l'explosion, accusant des délinquants locaux. Putain, on entendait encore des tirs. C'était encore le bordel dans mon casque. Ah non, d'accord, le jeu il a dit que c'était encore le bordel. Et ben voilà. Bon putain, par contre ça a fait un long épisode, merde. J'aurais peut-être dû couper tout à l'heure, mais j'avais oublié que c'était assez long cette... Enfin non, cette petite mission là. Et ben écoutez, ce fut plutôt sympathique. J'espère que cet épisode vous aura plu. Appuyez sur la cloche pour rien louper des prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si c'est Kratos. Et on se retrouve pour le prochain épisode sur Destroy All Humans. Et y a pas un... ah voilà, sur une on va s'arrêter sur une petite tante. Et je parle pas de votre tante de la famille. La tante parce que la tata, donc la tante de la famille. T'as compris ou pas? C'est une blague. Vous êtes encore là? Oh bon, ils sont tous partis. Bon bah salut quand même et portez-vous bien.